Mesdames, messieurs, va se passer un événement assez spécial dans la WWF, alors que Dino Bravo, ce Montréalais que vous connaissez tous très bien, va tenter de battre le record du monde au bench press. Et je l'ai justement comme invité, Dino Bravo pour... Et bien sûr, faut pas l'oublier, c'est Fred Chez Martin, tout le monde le connaît également. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux prouver justement en tentant de battre ce record du monde au bench press? C'est une question un peu pas mal stupide, je trouve, parce que je pense que dans le milieu de la lutte professionnelle, surtout dans la World Wrestling Federation, on sait que les accomplissements sont nombreux. Juste pour participer ici, ça prend des gars qui sont de calibre mondial. Les meilleurs lutteurs au monde sont ici, les gars les plus forts, les meilleurs techniciens de la lutte. Mais ceux qui réussissent à être des finalistes ou avoir des chances de devenir des grands champions, eh bien, ce sont des techniciens, premièrement. C'est des bons lutteurs. Puis, il faut avoir la combinaison d'être très fort. Si on regarde Hulk Hogan, champion du monde depuis 4 ans, c'est parce qu'il y a tous ces éléments-là. Eh bien, moi, je pense qu'en prouvant au monde entier que c'est moi l'homme le plus fort du monde, eh bien, je pense que mes chances vont être bonnes. Ça fait assez longtemps que je crie pour un combat de championnat. Eh bien, je pense qu'en battant le record mondial, M. Blondin, pour répondre à votre question, les portes vont être ouvertes. Puis, quoi, moi? Une fois que la porte est ouverte, Frenchie, qu'est-ce qui va arriver? Expliquez-moi! Parce qu'ils n'auront pas le choix, tu le sais. Il n'y a pas qu'ils l'ont fait. Le record mondial, c'est l'homme le plus fort au monde. Ça prend du cœur, puis il y en a, bravo, du cœur. Puis je l'ai dit, le monde a crié, puis ils l'ont pas cru. Ben, toute la paquet de baveux qui n'y ont pas cru, j'ai rien qu'à vous ouvrir les yeux, puis ouvrir vos oreilles, parce que Dino Bravo, en 88, ça va l'être le nouveau champion de la Fédération mondiale de la lutte. Alors, mesdames, messieurs, un événement surveillé dans la WWF, Dino Bravo, qui tente de battre le record du monde au bench press. C'est à surveiller. On va voir maintenant si c'est vrai qu'il est un des plus forts. Tu vas le voir à bord de temps.